Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 120 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Inversion Inversion, comme on pourrait, je sais pas si ça se dit en français ou en anglais, on s'en fout un petit peu. Alors c'est un jeu d'action qu'on va découvrir qui est récent, toujours à peu près 2011-2012. Je ne sais plus toujours les dates, j'ai un problème de souvenir avec les dates, vous regarderez la description de la vidéo. Donc voilà, Inversion. C'est un truc qui va jouer un peu sur la gravité, à ce que j'ai compris. Alors là, on règle le gamma. Hop. Accepter, ça c'est pour le contraste. Ouais. Ah voilà, le symbole. Il faut juste qu'on voit le symbole un peu. Voilà. Un petit peu. Ah là, j'arrive à le voir ce coup. Voilà, donc campagne. On va faire une nouvelle campagne. Pour voir l'histoire, on va démarrer en difficulté faible. Normal, non, je mets toujours en faible. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez, je suis toujours en facile dans les jeux. Et voilà, mettez-vous. Ça charge, on voit la barre de chargement symbolisée par le cercle qui tourne là autour du. Vous voyez, hop, voilà, c'est chargé. I always thought I'd die in the line of duty. Caught in the crossfire of the endless gang wars or riots that were part of my daily life. But as a cop in Vanguard City, I was ready for it. Yeah, I was ready. I was one of the lucky people. I had a job, a wife, a child, a roof over my head. I could live within the specter of death if it meant leaving behind a legacy, a piece of me. But now, now I've got nothing. In a few minutes, I'll be dead, and I won't feel the pain anymore. The pain of knowing that I couldn't. That I couldn't even save her. Phineas and Kent, he's crazy. He's paid, spell of sea. Henry's hand of blood to us, dead. They must die for this to begin Tormentos Eternos. The things I've seen, that I've done, they all seem surreal, like some faded memory of another life. But this pain is all too real. It's all that remains of what was once my life. Ouais, c'est déjà à nous de jouer. Hop, alors apparemment on est derrière un canon, là, on tire sur les mecs. Sur une sorte d'extraterrestre. On sait pas trop encore. Quelque chose qui vient de me choquer. Alors bon, en parlant que je désigne un peu des monstres, voilà. Vraiment, on détruit un peu le bâtiment en même temps. Quelque chose qui me saute aux yeux, c'est quand même que c'est super beau et c'est super net aussi. Les contours sont vraiment bien faits. Alors franchement, ça donne déjà du plaisir aux yeux. Là, rien que la cinématique d'intro là, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est bien foutu. Waouh! Donc bah là, on désingue de l'ennemi. Alors, je sais pas s'il peut nous toucher, on n'a pas l'air d'avoir de vie. Et surtout, voilà, on désingue. On tire dans le bâtiment qui s'écroule petit à petit d'ailleurs. Hop. Et il n'y en a plus, non? Où c'est qu'ils sont? Ouais. Je sais pas, parce qu'apparemment on est en train de raconter l'histoire. Et on atterrit là, donc. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le début du jeu, mais apparemment c'est à nous de jouer, donc bon, là. On joue. Ouais. J'essaye de casser les piliers, mais non, ça veut pas. Y'a personne en bas pourtant. Ouais, je sais pas. Je tire de partout, on verra bien. Ah, y'en a là-bas. Ah, voilà, ils arrivent par en dessous, regardez, y'en a plein. Existed as an idea. Then they came and destroyed all that we had. They took our children as their own and made us slaves. Nous revoilà en jeu. Un bâtiment qui s'écroule devant nous d'ailleurs. C'est super. Alors on a déjà des ennemis qui nous tirent dessus.
Par contre, je suis pas du tout en train de me cacher. Il faudrait peut-être que je me cache quelque part. Oh là, regardez, hop là. Il y a une histoire là, il n'y a plus de gravité, c'est bizarre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc on continue de tirer sur le mec en étant sur le mur, c'est super. Commence bien. Personne ne se pose des questions, hein, tout à fait normal. I think this must be our fate. We have lived as fools for ages, unaware of our own false existence and our inevitable demise. We should have seen this coming. And maybe we could have stopped them. But now, now it's too late. The sacrifice we send to you, have praise our lords. Take this offering. Moshe sent with. You prepare to die. Sometimes I wonder if my life before this chaos ever really existed. Or if it's just something I've imagined. Maybe this inversion of my life, this hell that has literally turned my world upside down, is just part of some warped dream or delusion. Whatever it is, it will all be over soon. Soon enough. Chargement du jeu. Alors là on a un vrai chargement. J'imagine que ce sera pas de la cinématique ce qu'on aura après. Enfin, on aura du vrai jeu. Parce que là pour l'instant on avait juste un décor bien posé. Bon. C'est peut-être un petit peu long à charger. Allez. Chargement. Il y a un petit conseil hein, pour faire patienter, heureusement. Wait, Davis, where are you going? Leo, I told you already, I gotta run home for a minute. You can wait here if you want. I'll pick you up on my way back. I got nothing to do with you, partner. I'll take a ride with you. So, how can we wait until the end of the day? Oh, wait! You're going home for a... Sorry, think I can take a hint after all. I could wait in the car while you do your thing. That's really funny. I'm not going home for, today's Layla's birthday, you know, and, I might not make it home till late, so I want to give her a present before bedtime. You know how it is. No. I really don't. You're going soft on me, man. You're even wearing a bracelet. That's a friendship bracelet. A friendship bracelet? What's that? The new fad? Something like that. Give it to someone you love and wear one yourself. It's what all the kids are asking for. Wow, and you're wearing one too. You do have a sensitive side after all. Being a dad changes things. Start looking at the world a bit differently. Yeah, but sometimes you can take it overboard. Like that picture you got on the dashboard. I mean, how many convicts do you think we're gonna intimidate with all that happiness staring at them from the front seat? Convicts? I'm not worried about intimidating cons. They know what I can do if they act up. Watch it! Wow, that was close. We should follow that guy. What do you think? Nah, just radio it in. Traffic guys will take care of it. Yeah, I know. Priorities. We got a present to drop off. Station L23 to station C10. We have a code 5 on Highland. Hey, did you hear that? Let's grab the weapons. We have to find out what's going on here. You're right, let's move. Isaac, you have reports of attack citywide. All systems must report back to C-10. Donc voilà, on atterrit 38 jours plus tôt de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le mec qui était attaché et ce qu'on vient de faire quoi, en gros. Ben,
Vanguard PD, hands up! Drop your weapons! Voilà, alors on a un gros méchant là-bas, on va lui tirer dessus. Et pour viser. Hop. Hop. Ah oui, c'est mieux pour viser, effectivement. Ouais, faut peut-être pas tuer les civils. On va pas le faire. Hop. Oh merde, c'était un civil encore. Alors, ouais, il faut bien que le viseur. Il faudrait que le viseur soit rouge. Je fasse attention. YD, belongings, nothing. They got guns. They don't look like anyone I've ever seen. Get out! Get him! Get him! Never seen a gun like this before. Who the hell would need guns like this? We should call Central and check in. This might be citywide. I left the radio in the car. I'll go back and see what I can find out. Donc je peux utiliser la molette pour changer d'arme. Donc prendre celle du mec qu'on vient de tuer. Ou non. Et hop. Oh merde. Oh merde, j'ai tué trop de civils. Oh con, bon on recommence. On recommence là. D'accord, j'ai tué trop de civils. Ah merde, on recommence là. Bon, ça va encore. Ça pourrait être pire. Oui, faut refaire ce qu'on vient de faire en fait, je crois. Je crois bien. Je suis un peu perdu. Non, parce que là, c'est comme on vient d'arriver de la voiture, mais le mec il nous suit en fait. Ok, donc on va faire ça. On y retourne. Est-ce qu'on va avoir les cinématiques? Ouais, mais je les passe. Ouais. Allez. Comment je fais? Voilà. Voilà, j'ai passé la cinématique. Lui, on le tue. Il est bien rouge. Il faut bien que ce soit rouge. Hein. Faut pas que je fasse de conneries. Donc tout ce qui est vert, je le fais pas. Lui, là-bas, il est mort. Et non, là, derrière, hop. Et lui, hop. Non, c'est tout. Voilà, et la cinématique, on s'en fout, et on recommence là où on a perdu il y a 2 secondes, c'est-à-dire qu'on va pas tuer des civils maintenant, on va essayer. Hop. Ouh, hop, 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 il y en a un là. Putain, ils se foutent les civils devant. Oh non, j'avais tué un, bon, encore ça va. Par contre, là, ça, je commence à avoir tout rouge, c'est pas tellement bien. J'ai peut-être pas envie de mourir. Voilà. C'est toujours rouge. Ah, ça y est, c'est moins rouge. C'est bon. Oh merde. Ah, j'ai fait réflexe. Hey, I think we need backup. Let's get up to my apartment and call C10. I want to make sure that Kara and Layla are safe. Okay. What the hell? This thing is floating. Hey, Leo, we gotta go. How did you do that? I just put it there. Il se passe vraiment des trucs étranges avec la gravité. Et la moitié du sol qui se lève quoi. Hop, ça, vous connaissez vos objectifs en cours. Ouais, alors on a des ennemis là-bas. Encore là. Merde. Là. Oh merde. Comment ça se fait? Il y a un tremblement de terre, je suis tombé par terre. Pas mal.
Je sais qu'il est. Hop, là je me fais toucher un peu trop quand même. Faut peut-être que je fasse attention. Hop, il y en a encore un là. Non, il n'y a plus rien. On va aller voir notre collègue. Youp, non. Il n'y a plus rien du tout. Bon, mais tant pis. Allez hop, on continue, on avance. Il est là. Ah, il va encore rien avoir, je pense. De là d'où il venait, il va y en avoir qui vont apparaître. Par contre, je suis un peu à découvert. Maintenir l'espace, c'est pour sprinter. Ouais, pour sprinter, mais bon, il y a des mecs. Il y a des mecs qui. Oh merde! Ah bah, je suis mort de. Ah, putain. J'en ai marre de mourir. Recommencer au point de contrôle. Bon, ça va, le point de contrôle, c'est juste là. On vient juste là où on est arrivé. C'est pas long, voilà. On va les retuer comme tout à l'heure. Hop, non, ça c'est un civil. Hop. Heureusement qu'on s'est mis en gravité faible. Hein. J'imagine pas si ça avait été dur. Non, j'ai pas envie de remourir, s'il vous plaît. Alors. Allez. Il y en a, quand il y en a plus, il y en a encore. Bah, il était là derrière. Non, il n'a pas envie de sortir. Bon, il est peut-être mort, c'est bizarre parce qu'il était vivant. Alors là, on va essayer de se faire avoir. Donc, il y en a un qui est sur la fenêtre là-haut. On va se planquer ici. Il y en a un qui doit être là-haut, voilà. Hop. C'est lui qui m'a fait du gros bombo tout à l'heure. Il y en a deux là-haut en fait. Ou alors c'est toujours le même que j'ai pas tué, je sais pas. On remarque bien la gestion des dégâts au niveau du décor, c'est pas mal. Hop là, bah, je pense qu'il est mort. Ouais, vu comment il vient de tomber de la fenêtre, il est mort. Ça devrait être bon, on continue, on avance ça. Allez. Non, le mec il traîne un caddie quoi. Il avance avec un caddie. Ouais, donc on va aller dans leur repère. Je pense qu'on va en trouver plein ici, non? Non, même pas. Et évidemment, la cinématique elle nous laisse dans la merde. Alors, on va utiliser celle-là, on va voir ce que ça donne cette arme. Ouais, j'ai de la peine à en tuer. Hein. Oh merde, je suis encore. Ah, attendez, ça me relève à chaque fois, tu vois. C'est bizarre. Ouais, normalement, ça devrait me garder derrière, tu vois. Enfin, vous voyez. Parce que quand j'appuie sur tirer, du coup ça sort, ça vise, et on peut tirer. Et il y a 2 secondes, je suis resté debout en fait. Ça m'a pas remis automatiquement. Allez, hop, il y en a encore un ici. Ouais, con. Quand j'ai tiré sur le poteau, ça a déglingué. Allez, donc on continue. Tac. Oula, il y a un mec là-haut qui nous tire dessus. Enfoiré. Hop. Hop, ils descendent de l'escalier, je pense que c'est là-bas qu'il va falloir aller. Youp, il est là. Putain, je suis pas arrivé à le tuer. Lui, tac, 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 tac. Ah, mais elle est bien leur arme en fait. Elle est pas bien plus évoluée que la nôtre, hein. C'est toujours des balles. Hein. Bon, pour des mecs un peu monstrueux là, bon, ils ont un peu la même technologie, on va dire.
Moi j'ai de la merde à sortir de mes cachettes, je sais pas si vous avez vu, je suis à chaque fois ça saute. C'est comme si je voulais faire une roulade et tout. Hop, je récupère. Hop, hop. Ça me fait des munitions au moins. Oh merde. La terre qui tremble. Hop. Y'a personne ici. Non. Ouh, y'a un mec là, non? Non. Bah il me semblait qu'il y a quelqu'un qui avait sauté, non? Non. Ah bah c'est un cadavre. D'accord. Hop, je récupère encore des munitions. Donc voilà. Allez, on avance, il y a du sang partout, des cadavres dans tous les coins. C'est beau. Hop, il y a eu une explosion. Pour l'instant, on n'a pas creusé le mec ici. Oh bah si, il y a un mec là qui est à moitié crevé. Est-ce qu'il va bien, tu crois? Non, c'est une attaque au corps à corps. Oh merde, il a tiré à travers le mur. Oh merde. Attaque au corps à corps. Ouais. Assez efficace quand même. Ouh, il y a encore des mecs qui arrivent. Oulala, je me fais tirer dessus. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se cacher derrière les murs. Ça sent le fuant tout ça. C'est tout gris autour de moi. Non, c'est bon. C'est revenu normal. Ça y est, je les ai tués. Tac, tac. On récupère des munitions. J'en ai pour un petit moment avec toutes ces munitions, mais bon, c'est vrai que c'est une sorte de machin mitraillette. Hop, le sol qui se barre. Ouais, con. Vite, on va vite y aller avant que ça s'effondre. Là, je peux pas y aller. Là-bas. Oh là là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attends, il est où le mec? Non, t'es sérieux, il est au plafond. Là, le mec il est au plafond. Il est mort au plafond. Ouais, il y a vraiment une histoire de gravité. Il y a moyen de bien s'amuser avec ça. Est-ce qu'il y a des mecs? Ah, ça a tout cramé par contre. Oulala. Et je vous assure que j'ai eu peur là. Ça m'a fait sursauter. Sur ma chaise, je fais oulala, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est quoi ça? Regardez l'escalier. Oh merde, on me tire dessus. Allez, au milieu de l'escalier, il y a des gens qui flottent. Il y a des trucs qui flottent, des objets, des vélos. Un ordi portable. Même dehors. Ah non, dehors, regardez la voiture et tout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la gravité. Elle est partie en sucette. Kara! Kara, do you hear me? Layla, she's... Layla, where is she? She's... They... No, Kara. Caroline, open your eyes. Open your eyes, baby. Come on. Come on, Kara, please. Oh, shit, thanks, Walker. Rice,
Et voilà, donc ce sera tout pour Inversion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.